Et salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Dungrad. Alors c'est Marc au micro, ce soir je suis accompagné de trois personnes, en la personne évidemment de Diego. Salut Diego. Salut Marc. Il y a aussi évidemment toujours parmi les meubles Babyboul. Salut, je fais Et partie des meubles, très bien. on finit par le meilleur avec Fab qui nous a rejoint exceptionnellement pour cette vidéo. Alors Fab, j'ai cru d'ailleurs oui dire que tu avais une nouvelle émission qui se faisait mardi sur Oh deux. là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh Émission là, oh là, commence pas Out à of indiquer des Bounds. choses, tout ça. Ah, out of bounds, Oh, ok. alors là, j'ai rien dit de plus. J'ai rien dit de plus pour l'instant. Mais voilà, Bon, donc on au peut te revoir retrouver tout en le tout monde. cas un mardi sur deux sur YouTube avec cette C'est nouvelle ça. émission, enfin sur Twitch et ensuite sur YouTube. Et tu nous as rejoint ce soir pour un sujet peut-être un petit peu touchy, mais on avait envie d'en parler. Pourquoi? Ben parce que c'est forcément des trucs qui nous touchent un peu. Nous qui, vous savez, on aime bien un petit peu parler de tout ce qui est en coulisses, des choses un petit peu éthiques dans le jeu vidéo, des valeurs morales qu'on peut avoir par rapport au développement, par rapport au sujet des jeux et tout ça. Et forcément, donc vous pouvez pas passer à côté un petit peu du sujet du moment, et même ça fait d'ailleurs plusieurs mois maintenant qu'on en parle, mais évidemment ça s'intensifie ce mois-ci. Pourquoi? Parce que Hogwarts Legacy va sortir ce mois-ci, en ce début de mois de février, et vous n'êtes sans doute pas sans savoir que le jeu subit un petit peu, malgré lui, les foudres d'une partie de la communauté des fans d'Harry Potter, ou pas fans d'ailleurs d'Harry Potter, notamment à travers la personne de J.K. Rowling. Il y a d'ailleurs, dans cette optique, il y a une sorte de boycott, un petit peu, ou en tout cas d'appel au boycott qui s'est mis en place. C'est ça qui va nous intéresser ce soir. Alors, pas forcément le boycott en ce qui concerne Hogwarts, sorry, C'est Legacy, qui est dur à très dire. difficile, je trouve, à prononcer. Donc, le jeu d'Harry Potter, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Mais en fait, on va partir de ce postulat-là pour voir si finalement le boycott, c'est un truc qui s'est déjà vu dans le jeu vidéo, si c'est un truc qui se voit en ce moment, et si c'est quelque chose qui peut être plus ou moins efficace selon nos points de vue, évidemment. Mais du coup, je vais peut-être laisser mon cher Diego commencer par nous parler un petit peu de J.K. Rowling, évidemment, qui est donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'autrice derrière Voilà. Harry Alors, Potter, voilà, et c'est elle qui cristallise en fait un petit peu on va la pas, on va. polémique. On ne va pas parler extrêmement longtemps de J.K. Rowling. En fait, c'est elle qui a créé Harry Potter, tout l'univers qui va avec et qui maintenant détient la licence World of Wizarding, qui est la licence globale Harry Potter. Et qu'est-ce qu'on reproche à J.K. Rowling? En fait, on lui reproche un dérapage qui a commencé en 2018, où elle a liké une première fois un tweet transphobe. Et contrairement à ce qu'on a pu lire chez certaines personnes sur Twitter, oui, J.K. Rowling est transphobe. Elle fait une fixation là-dessus. Pour elle, il n'y a que deux sexes et pas de genre. Voilà. Donc, c'est de là que vient principalement l'appel au boycott. C'est l'argument des gens. C'est si vous achetez ce jeu, vous financez indirectement une personne transphobe. À savoir que pendant le développement, il y avait eu aussi un autre petit problème avec le lead designer Joy Lewitt, qui avait notamment, de mémoire, fait des tweets presque Des vidéos, antisémites, même. me semble, à l'époque. Ouais, même des Et vidéos mais sur il sa a, chaîne YouTube. Ouais. sur sa chaîne YouTube, mais il a été débarqué depuis. Donc, de toute façon, c'était un projet qui était extrêmement scruté. Déjà, un, c'est un peu le jeu que tous les fans de l'univers Harry Potter attendaient. Et en parallèle, ben, il y a pour les développeurs le problème J.K. Rowling et ses vues sur les personnes transgenres. Oui, parce qu'en Voilà, fait, je c'est bien pense. ça qu'il faut comprendre, en fait, parce qu'évidemment, on part d'un côté du jeu Hogwarts Legacy, du coup, donc Harry Potter, et en fait de J.K. Rowling. Donc, évidemment, il faut réussir à faire la connexion entre les deux, parce qu'en fait, c'est ça, le cœur du boycott, c'est que selon donc les gens qui appellent au boycott, l'idée, c'est de dire que si on achète, du coup, Hogwarts Legacy, forcément, J.K. Rowling va recevoir, en fait, des royalties ou des choses en rapport avec le jeu. Évidemment, quoi, parce que ça lui appartient, enfin, en tout cas, la licence lui appartient. Voilà. Et que du coup, avec ce financement-là, en fait, la problématique derrière, c'est qu'a priori, alors, est-ce que tu me confirmes ou pas, Diego, c'est qu'on dit qu'en plus, J.K. Rowling n'a pas seulement des idées transphobes, pardon, mais c'est qu'en plus, derrière, va mettre de l'argent, en fait, dans la lutte pour lutter, en fait, contre les transgenres. Donc là, Tout ça à devient fait, plus problématique, tout quoi. à fait. C'est vraiment, c'est son côté très problématique, c'est qu'elle met de l'argent dans cette lutte. Bon, à savoir que elle le fait via des associations qui à la base sont des associations caritatives, mais typiquement qui peuvent être contre les personnes transgenres. Elle a financé un refuge pour femmes battues et elle refusait que ce refuge accueille des personnes transgenres. Mais malheureusement, heureusement,
Elle finance aussi beaucoup d'autres œuvres caritatives qui sont bien. C'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai pas envie de m'étendre sur le personnage de J.K. Rowling. Oui, elle est transphobe. Oui, elle fait une fixation là contre. Oui, elle va toucher de l'argent des ventes du jeu Harry Potter. Alors ne me demandez pas combien, parce que ça, on ne sait pas. Personne ne sait ce qu'il y a comme contrat. En règle générale, les royalties, ça tourne aux alentours de 15%. Mais après, le contrat, ça peut être du 15% sur des ventes brutes, des ventes nettes, etc. etc. Ça, on n'en sait rien. Donc, de toute façon, elle va toucher de l'argent. De toute façon, elle touche beaucoup d'argent pour Harry Potter. Ses revenus annuels sont estimés à entre 50 et 90 millions par année. Voilà. Oui, du coup, c'est bien ça, en fait, le cœur du problème, c'est que ça fait des années, maintenant, ça fait des années que J.K. Rowling est sous le feu des accusations en termes de transphobie. Entre-temps, du coup, on a eu l'annonce du jeu, donc c'était aux alentours de 2020, si j'ai bon souvenir, notamment du côté de PlayStation, qui a une sorte de partenariat un peu particulier avec le jeu, qui a annoncé, du coup, le jeu. Et tout de suite, d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que, justement, les développeurs, ou en tout cas ceux qui étaient chargés un petit peu de la communication, ont très vite justement dit attention, J.K. Rowling ne participe pas directement au développement du jeu. Enfin, on sentait qu'ils avaient déjà un peu cette crainte du fait que tout ce qui entache J.K. Rowling finisse par retomber aussi sur le jeu. Maintenant, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'a priori, de toute manière, quoi qu'il arrive, le jeu, ça sera une grosse vente, je pense, cette année. Ça sera sans doute l'une des plus grosses ventes. Il est sold out en préco sur pas mal de sites, etc. Les éditions Deluxe sont parties comme des petits pains alors qu'elles étaient vendues, je sais plus, 90€, je crois, dans certaines enseignes, etc. Donc ça va être un carton absolu. Comme tu l'as dit en plus au début, c'est le jeu Harry Potter dont les fans d'Harry Potter ont toujours rêvé depuis 20 ans, en fait, quoi. Donc, on est quand même sur un gros phénomène pop culture avec Harry Potter, donc évidemment, il y a beaucoup de gens qui attendent ça derrière, et je pense que c'est aussi du coup ce qui nourrit un petit peu l'effet boule de neige là, du boycott, sachant qu'il faut bien se rendre compte, alors moi quand j'ai commencé un petit peu à regarder un peu plus ça, je vous dis ça parce qu'en fait, personnellement, je suis pas un grand fan d'Harry Potter, j'ai dans le projet d'acheter le jeu, pourquoi ? Parce que justement, je pense que ça va être l'une des grosses sorties en fait de l'année, donc en tant que joueur et avec ce qu'on fait sur Donegrad, tout ça, j'estime que c'est compliqué de passer à côté d'une des grosses sorties de l'année. Mais forcément, évidemment, moi, quand j'ai vu toutes ces histoires de boycott et tout, je me suis un petit peu intéressé à la chose et je me suis dit, effectivement, en tant que fan de non-fan justement de la série, est-ce que du coup c'est intelligent pour moi d'aller acheter le jeu alors que justement il y a tous ces effets de boycott et quelque part moi j'ai pas le combat intérieur de me dire ah oh, j'adore Harry Potter, j'aimerais bien le prendre même si ça m'emmerde de donner des sous tout ça. Donc forcément je m'interroge légitimement sur ça, donc j'ai un petit peu regardé, un petit peu décortiqué le truc et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas, je pensais qu'on était un peu dans une bulle Twitter sur ce truc de boycott, mais en fait ça va quand même bien au-delà en fait de Twitter et Babi, je crois normalement tu as un lien aussi, même Courrier International par exemple parle de l'affaire. Donc c'est quand même, on est sur un truc qui a dépassé un peu le cadre du jeu vidéo propre, on est sur des médias un petit peu plus généralistes qui en parlent, donc c'est quand même pas anodin, il y a un vrai truc qui se passe. Après, est-ce que c'est justement parce que c'est Harry Potter, du coup ça a beaucoup d'ampleur, est-ce que vous pensez, peut-être par exemple Fab qui n'a pas trop parlé encore, est-ce que vous pensez que justement c'est peut-être intéressant de se dire que même si finalement nous on boycotte pas ou des choses comme ça, ou qu'on soit pour ou contre en fait le boycott, se dire bah en fait c'est peut-être intéressant justement d'en parler et en tout cas de mettre en lumière justement le fait ces problèmes là qu'il peut y avoir du côté de J.K. Rowling, est-ce que, ou alors vous dites bah non en fait le truc il faut un peu le mettre sous le tapis et on s'en fiche quoi. Alors je pense que de manière générale, et là je parle pas que de J.K. Rowling, je pense que de manière générale la première des choses et sans doute la chose la plus utile, c'est effectivement parler de tout ça. Sans dénigrer ni ceux qui appellent au boycott, ni ceux qui disent qu'il ne faut pas aller au boycott, sans insulter, sans tomber dans des choses extrêmes. Mais je pense que effectivement, la première des choses, c'est d'expliquer, de comprendre quelle est la situation, de mettre des faits et de permettre finalement aux gens de s'exprimer et de dialoguer. C'est vraiment ça un peu le cœur du truc. C'est qu'à partir du moment... Finalement, quoi. Faire de la pédagogie, que chacun soit pédagogue en fait, c'est surtout ça. On voit beaucoup de gens se friter, et je pense pas qu'il y ait une bonne raison absolue, une bonne vision pardon absolue. Il y a des pour, il y a des contre, il y a des choses qui s'entendent de chaque côté. Et après c'est chacun en son âme et conscience, si je peux dire ça, de voir ce qui lui paraît être le plus juste. Et encore une fois, il y a des arguments sensés de chaque côté. Il y en a qui vont parler des développeurs en disant mais si personne n'achète le jeu, grossièrement on met tous les développeurs au chômage, c'est ça vraiment qu'on veut. Il y en a d'autres qui vont dire bah oui mais
si on achète le jeu en même temps, ça veut dire des revenus pour des associations qui sont contre les personnes transgenres. Donc on fait quoi? On finance ça aussi. C'est compliqué. Et donc, à minima, la meilleure des choses, c'est effectivement d'en parler, de faire en sorte qu'on puisse voir ça un peu partout. Et c'est très bien que Courrier International en parle, parce que ça touche effectivement au-delà de la sphère de jeux vidéo. On peut apporter sa pierre à l'édifice, on peut avoir des débats publics, du coup, là-dessus, et ça permet surtout, pour l'avenir, d'avoir des situations qui ne se reproduisent pas nécessairement, ou sur lesquelles on va tirer des leçons, etc. Ça, c'est vraiment important, et c'est au-delà de Harry Potter. C'est le cas aussi quand on parle d'Ubisoft, avec les scandales qu'il y a eu, quand Gamekult a décidé de ne pas retransmettre l'Ubisoft Forward de 2020. Ou 2022, je ne sais plus. Je veux dire, à un moment, ils font un choix. Et en face, tu as des arguments. Ils boycottent. Et en face, tu as des gens qui disent, bah ouais, mais en même temps, si on fait ça, Ubisoft, c'est des milliers d'emplois dans le monde. Si plus personne n'achète, ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui n'ont plus de boulot, quoi. Donc, tu as toujours des arguments pour et des arguments contre. Et je pense pas que ça soit ni mon job, ni le vôtre ou ni le nôtre, globalement, de dire qui a raison, qui a tort, mais plutôt d'essayer de mettre du lien, un peu d'écoute, un peu d'empathie dans chaque chose, et de regarder ce qui est effectivement censé avoir des pistes de réflexion à mener, et nous-mêmes s'interroger. Voilà, je rejoins ce que Fab dit. En fait, je suis d'accord avec ce que tu dis là. Je pense aussi ce qui est bien en fait avec ce jeu et toute cette problématique, c'est que ça a mis en lumière, de façon générale, le problème de la transphobie, et que ça permet d'avoir un débat à ce sujet. Et je, sans m'avancer, je pense que dans l'équipe, il n'y en a aucun de nous qui soit un expert en la matière. Donc si on n'est pas très bon, c'est qu'on n'est pas expert, mais au moins ça nous a permis de nous intéresser au sujet, et ça nous a aussi permis de nous intéresser aux propos qui ont été incriminés, qui sont absolument dégueulasse, on va pas se mentir, hein. Ce qu'elle dit est dégueulasse. Mais après, comme le disait Fab, il faut voir cela dans sa globalité, avec d'un côté les développeurs, et on est quand même avec Harry Potter là en l'état face à un monument de la pop culture, de la culture populaire, et ça va être dur aussi pour des enfants, pour tous les fans en fait de. C'est quelque chose qui est rentré dans la culture populaire. Oui, c'est finalement une œuvre qui vit en dehors même de voilà, l'univers est maintenant a été. Les fans se sont aussi appropriés l'univers. J'ai vu que les plus grands sites de fans sont complètement décorrélés de l'autrice maintenant. Ils veulent plus rien avoir à faire avec elle. Et c'est eux qui font vivre l'univers dans leur tête. Et même les associations de Quidditch et tout ça, au-delà des sites, je complète, mais t'as même des associations de Quidditch qui ont effectivement, qui pratiquent le Quidditch à leur niveau, etc., et qui ont très rapidement pris leur distance avec ça, alors que c'est des fans absolus, tout à fait. Donc tu dis qu'il y a des affrontements. Il y a des gens qui volent sur des balais, oui. D'accord. Oui. On n'est pas là pour parler de ça, oui. Mais par contre, effectivement, c'est essentiel peut-être de rappeler, parce qu'on l'a quand même déjà un petit peu dit, mais qu'effectivement, que donc c'est J.K. Rowling qui est donc accusé à travers donc le jeu Hogwarts Legacy, mais que le jeu en lui-même, a priori en tout cas de ce qu'on a vu jusqu'ici, ça devrait pas être le cas, n'a pas de message transphobe, ne tient pas même de message d'ailleurs de quelque nature que ce soit, raciste ou autre. Je veux dire, voilà, c'est vraiment un jeu qui, a priori, le jeu en lui-même, entre guillemets, ne pose pas de problème, même s'il y a eu cette histoire de lead designer, probablement qu'il y a un petit peu de crunch derrière aussi, on va pas se mentir, a priori, vu comme ils ont galéré en termes de date de sortie, de report multiple et tout ça, ça a dû être un petit peu compliqué, on le sait. Les versions d'ailleurs old-gen, elles arriveront plus tard, ce qui est quand même assez rare, et ce qui montre a priori qu'ils sont sur une grosse galère en termes d'optimisation de console. Voilà, donc tout ça, évidemment, c'est pas tant, on va dire, concentré sur le jeu lui-même, mais du coup, ce rebond, comme on l'a dit, du fait d'aller donc acheter le jeu et donc donner indirectement de l'argent à J.K. Rowling, qui, elle, pourrait en faire des choses pas très jolies derrière, c'est vraiment ça, et je trouve que c'est intéressant dans la manière dont ça nous interroge sur notre place en termes de joueurs, de l'achat militant, quoi. Je me permets de t'interrompre, parce que c'est bien joli, mais à ce moment-là, il faudrait qu'on se renseigne sur tout. C'est ça, ouais. Sur tout. Je donnais dernièrement un exemple en off à Marc. À chaque fois qu'on achète un produit SNK, aujourd'hui, ou par l'argent, dans un pays où il y a la peine de mort, SNK, il y a la peine de mort de manière notamment la peine de mort. Et SNK appartient
au fonds souverain d'Arabie Saoudite. Par exemple, voilà, il y a plein de cas. Déjà, Fab en a parlé tout à l'heure aussi, évidemment, le cas d'Ubisoft. Se dire, moi, je sais qu'en tout cas, quand tout ça est un petit peu sorti, voilà, on avait fait le cran d'arrêt, tout ça. Moi, je me suis posé les questions en me disant, genre, effectivement, est-ce qu'il ne faudrait pas que, du coup, nous, en tant que joueurs, ou en tout cas, moi, personnellement, je veux dire, mais après, un peu tout le monde, est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, qu'on agisse concrètement sur le terrain, c'est-à-dire avec les ventes, et c'est-à-dire peut-être répercuter ça sur les ventes pour que ça envoie un message concret au board d'Ubisoft. Mais évidemment, comme tu l'as dit, Fab, tout à l'heure, ça crée plein de problèmes un petit peu annexes derrière, de se dire la répercussion que ça va avoir aussi sur les développeurs qui n'ont pas forcément demandé à ce que ça leur retombe dessus. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Tu as donné le cas, effectivement, des SNK. On pouvait parler aussi, on avait parlé déjà en Doncast de Six Days in Fallujah, ce jeu voilà, qui est quand même une totale propagande de l'armée américaine qui réécrit un petit peu les faits et compagnie. Forcément, là, c'est pareil. Ben, là, pour le coup, c'est vraiment les jeux en eux-mêmes qui sont ciblés par ces problèmes-là. Donc, c'est peut-être encore plus problématique parce que là, vraiment, il y a un but de réécriture de l'histoire, de propagande. Ou alors, avec SNK, on va directement, effectivement, financer donc un État souverain qui, en termes de droits de l'homme, c'est pas trop ça encore. Quoi. Donc, ouais, donc tout ça, évidemment, c'est pour ça que je voulais en parler avec vous ce soir, se dire... Finalement, au-delà évidemment de Hogwarts Legacy, est-ce que le boycott dans le jeu vidéo, est-ce que ça peut être une solution? Est-ce que c'est un truc? Est-ce que, ou alors, est-ce que, comme tu as dit Diego, sinon on peut se dire, mais moi, tu vois, ça me pose un problème, cette rhétorique, même si je fais attention, je ne te dis pas que c'est ce que tu dis, mais je veux dire, la rhétorique de se dire, tu vois, si on fait ça, on le fait pour tout, tu vois. Mais ça, je trouve que c'est un côté un peu, tu vois, genre, tu vois, on s'en débarrasse, on le met sous le tapis, de toute manière, voilà, tout est méchant, tout est chaos, et on s'en fiche, quoi. Et ça m'embête un peu aussi, quoi. Moi, je pense qu'au contraire, c'est sain qu'on fasse ça pour tout. Enfin, ce que dit Diego, je le tiens à l'extrême et c'est un peu ce que je disais avant, c'est que fondamentalement, si tu me penses, si tu me dis, est-ce que tu es pour le boycott, est-ce que tu vas boycotter, etc. Moi, non, je suis pas pour le boycott et je suis pas effectivement dans les cas qu'on a évoqués pour ne pas acheter ces choses-là. Par contre, je suis pour que on puisse entendre les gens qui veulent boycotter, qu'on les écoute. Et que ça soit relayé. Pourquoi ? Parce que concrètement, il y a plusieurs manières d'aller toucher au portefeuille ou ailleurs des grosses boîtes, et que c'est pas que avec des ventes d'un jeu qu'on va le faire. C'est aussi avec de la communication, parce que la communication, ça va se répercuter sur la valeur des actions, ça va se répercuter sur les bonus que vont prendre les dirigeants, etc. etc. Ça va se répercuter sur les futures ventes de jeux. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens de prendre des actions, entre guillemets, enfin, je parle pas d'actions financières, hein, je parle d'actions concrètes auprès des équipes, etc., pour changer les choses. Et nous-mêmes, comme on le disait tout à l'heure, ça fait en sorte qu'on ouvre des sujets qu'on n'aurait peut-être pas entendus autrement. Qui aurait pensé qu'on aurait parlé d'Arabie Saoudite dans le jeu vidéo? Alors, oui, ok, on n'est pas beaucoup à en parler, etc., avec SNK, on n'est même pas beaucoup, je pense, à être au courant, parce que déjà, SNK, c'est plus le grand éditeur-développeur que c'était à l'époque, même s'il revient bien, que ça s'adresse à une frange de la population très particulière, etc. Bon, bref. Mais n'empêche que, comment on en aurait parlé autrement? Bah, là, on en a parlé, puis peut-être qu'on va continuer à en parler avec d'autres éléments, d'autres actions, d'autres choses. Et vraiment, je pense que c'est en ça que c'est vertueux. C'est-à-dire que, de toute façon, si on est à un moment très terre-à-terre, c'est pas aujourd'hui qu'on va changer les choses. Tu vois, c'est pas en boycottant Harry Potter ou en ne le boycottant pas qu'on va faire que J.K. Rowling soit pauvre ou riche, et etc. Et en plus, aussi, pour être tout à fait transparent, il n'y a aucune chance qu'un boycott fonctionne. Par contre, encore une fois, je pense que le fait qu'on parle de tout ça, le fait qu'on parle d'Ubisoft pendant 2 ans, que t'aies des actions comme celle de Gamekult, qui est de dire on ne va pas relayer les informations, etc., même si aujourd'hui c'est pas parfait chez Ubisoft, loin de là, ça permet de faire bouger un peu les lignes. Ça permet de donner peut-être un peu de courage aux développeurs. D'éveiller les consciences des consommateurs, mine de rien. Ça reste quelque chose de très important. Et voilà, quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux aussi faire des achats. Alors, tu peux acheter ton paquet de jambon chez Carrefour, par exemple, comme tu achètes ton paquet de pâtes, ton call-off ou quoi. Mais tu as aussi des achats qui peuvent être aussi militants derrière. C'est-à-dire que tu as envie de soutenir un petit artisan, par exemple, tu as envie de soutenir un petit développeur derrière, tu as envie de soutenir voilà, toutes ces personnes-là, et derrière, bah, tu sais que si ces personnes-là ont des convictions, des choses qui leur tiennent à cœur, avec vraiment une vraie déontologie derrière, tout ça, ça fait que, après, c'est... Alors, encore une fois, tu peux pas faire ça pour tous les produits. Enfin, tu peux le faire, mais tu passes ta vie à le faire, quoi. Mais tu le fais petit à petit. Tu peux choisir. Tu vois, je te prends un exemple qui est hors jeu vidéo.
veux dire, on a sans doute tous acheté des Nike un jour ou un autre dans notre vie. On sait que Nike, bah, le travail sur les mineurs, etc. Ça a longtemps été un sujet, ça l'est sans doute encore bien aujourd'hui. Je dis pas que j'achète plus Nike, mais avoir des boîtes qui viennent avec le propos de dire, écoutez, nous, on fabrique en France, on développe en France, on fait attention à notre empreinte environnementale, on essaye de faire machin. Bah, ça me parle et je suis beaucoup plus attentif à ça. Et avant, où je me serais dit, bah non, j'achète pas parce que c'est trop cher, bah du coup, peut-être que, enfin, c'est pas peut-être, aujourd'hui, j'achète en me disant, ok, je suis un peu sensible à ça maintenant, je l'entends, etc. Et je pense que c'est le principe. C'est qu'à chaque fois, tu fais des petits pas, ouais. Globalement, individuellement, puis collectivement, et tu arrives à faire quelque chose qui se transforme finalement en quelque chose de bien. Après, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse. Mais... Voilà. Peut-être pour revenir à l'histoire du boycott du jeu pour l'instant, du soir Hogwarts ouais. Legacy, le fait de ne pas l'acheter ne va pas faire qu'on se batte contre les bigots et les transphobes. Voilà. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que le jeu ne véhicule pas le propos incriminé. Là, et je pense que les développeurs ont fait extrêmement attention à cela. Ça fait d'ailleurs partie des questions qui sont sur le FAQ. Hein. Tout à fait. Les questions de genre, etc. Et le jeu, selon moi, ne peut pas être taxé d'être transphobe. Alors, ce qui est irritant, même pour moi, c'est de savoir qu'il y a X% qui va à cette dame. Je le sais, mais après, il ne faut pas qu'on oublie, même dans plein de boîtes de jeux vidéo, vous ne savez pas qui sont les actionnaires derrière. Vous ne savez pas où vont les dividendes. Il y a peut-être des boîtes où il y a des dividendes qui vont aussi dans des associations transphobes, racistes, je ne sais quoi. Bah, on a eu le cas l'année... Non, c'était en quoi ? En été 2021, si on se souvient bien, avec... le patron de Tripwire, si je dis pas de bêtises, qui avait des propos anti-avortement du coup aux États-Unis. Exactement. Et qui appuyait vraiment vraiment beaucoup là-dessus, et le mec bah, à force de balancer ça sur la place publique, sur Twitter, il a fini par se faire renvoyer par la boîte, ce qui est normal parce qu'en termes de PR, c'est pas bon du tout quoi. Donc ben, voilà. Il y a aussi on peut, quelqu'un dont on parle très souvent, je veux dire Bobby Kotick, qui a priori est oui. Vachement impliqué justement au niveau politique et compagnie dans certains combats. Tout à fait. Évidemment, forcément, à chaque fois qu'on achète un jeu, donc Activision Blizzard King, par rebond, à un moment donné, au bout de la file, on va forcément lui filer de la thune qui lui permettra d'être lui-même impliqué. D'aller sponsoriser le Parti Républicain, tout à fait. Notamment, mais après, voilà, on sait qu'a priori, c'est une personne qui a des morales un petit peu douteuses par moment. Ouais. Donc voilà, donc c'est forcément, c'est sûr. C'est... Mais après, tu vois, moi là où c'était intéressant, c'est pour ça que j'en avais parlé, de dire, j'accepte pas entre guillemets non plus la rhétorique inverse qui voudrait que voilà quoi, j'ai dit tout est chaos et en fait bah, tant pis on fait ce qu'on veut, et puis, moi je trouve intéressant justement que au fur et à mesure que l'industrie avance, parce qu'on rappelle que c'est la première industrie de divertissement, si pas bêtise, dans le monde, oui. Hein, il me semble, le jeu vidéo, là. Donc forcément nous en tant que joueurs, à un moment donné c'est bien de voir aussi qu'on avance sur plein de questions comme ça. Je pense que il y a plein de choses qui vont dans le bon sens petit à petit maintenant dans le jeu vidéo, parce que justement ça a de plus en plus d'exposition et que c'est du coup super intéressant d'en parler. Et même si ben voilà, moi au bout du bout peut-être que j'irai acheter le jeu ou un autre, d'ailleurs que ce soit Ubisoft ou SNK ou d'autres et tout, je trouve que c'est vachement intéressant aussi de pouvoir laisser, comme tu le disais Fab, un petit peu l'opportunité à ces gens-là d'en parler, en tout cas pour ceux qui vont boycotter, pour ceux qui vont sortir les tops un petit peu de la terre. Enfin, c'est quand même très intéressant. Et d'ailleurs, je crois, Bali, normalement, tu as dû regarder ça un petit peu dans l'histoire du jeu vidéo. Moi, je n'ai pas souvenir justement qu'il y a un autre boycott, en tout cas qui soit aussi virulent que ça. Avant de passer, attends, je sais où tu veux en venir. On va y arriver, mais peut-être. Alors, je vais rebondir sur ce que Marc disait, et puis je vais faire une sorte de synthèse par rapport à ce que Fab disait en fait. Rapidement, juste ce qu'on a sous les yeux, c'est pour vous montrer en fait, c'est le niveau de personnalisation des personnages. Voilà, tout à fait, de Hogwarts Legacy. Pour vraiment, les développeurs ont présenté ça pour montrer qu'on peut créer vraiment le personnage que l'on souhaite. Ça, c'est hyper important, avec différentes teintes au niveau de la peau, différentes coiffures, etc. etc. Donc, ils ont vraiment mis l'accent là-dessus sur énormément de personnalisation. Et c'est ce qu'on a vu dans la FAQ juste avant, c'est créer le héros que vous voulez, en fait. Quoi. Donc, c'est-à-dire adapté à tout le monde. Donc, voilà. Ils ont axé leur communication justement pour finalement dire un petit peu indirectement, regardez, nous on est absolument pas d'accord, évidemment, et on n'est pas sur la même ligne que J.K. Rowling. Voilà, on a compris ça, et voilà, c'est pas le message du jeu, quoi. Donc, c'est vrai que la manière dont ils tournent la communication, évidemment, va dans ce sens-là, quoi.
Voilà, ouais. Donc j'essaie de dire avant, pour revenir sur ce que Fab disait, c'est je suis pas non plus pour le boycott en l'état parce que le message qui est véhiculé par le jeu n'est pas nauséabond, mais d'acheter en pleine conscience, en fait, en sachant ce qui se passe quand on achète, ben voilà, malheureusement, il y a une partie qui part chez Madame Rowling pour ce jeu-là. C'est triste. Du coup, donc Babi, est-ce que du coup tu as pu ouais. un petit peu décortiquer ce qui s'est passé dans le passé ou alors oui. Alors ce qui s'est passé dans le passé, alors il n'y a pas eu des boycotts qui ont été absolument. Alors moi déjà, j'aimerais revenir sur ce qu'avait dit Fab, notamment c'est bien qu'on en parle. Ne t'inquiète pas Fab, tu as dit des trucs. Il n'y a pas eu de bêtises. Mais non, mais notamment, et je crois que Marc, on en a parlé juste avant. En fait, je pense que quand il y a un boycott qui prend ou en tout cas qui va, qui a plus d'ampleur. Enfin, je veux dire, un boycott a plus d'ampleur quand un magazine, on va dire de la presse. Généraliste s'en empare. C'est-à-dire que si on reste dans le trait spécialisé, jeux vidéo, etc., ça reste vraiment entre quatre murs, on va dire. Et dès que la presse généraliste s'en empare, disons que ça explose. Tu n'es pas d'accord avec moi, Diego ? Non, je ne suis pas d'accord parce que je vous ai donné un exemple de boycott qui a fonctionné dernièrement. Avec oui. Wizard of the Coast. Avec Wizard of the Coast, où là, 30% de la communauté en ligne est partie. Et là, ça a fait bouger une boîte. Oui, après, il y avait des moyens financiers derrière, quoi. Mais... Tu vois, ouais, mais là, on n'était plus sur le domaine, sur le territoire du moral, on était sur un domaine purement économique, en fait, avec cette histoire-là. Là, c'est la communauté, c'est quand même les joueurs. Hein. Oui, non, mais je veux dire, on était sur, voilà, on n'était pas sur l'ordre moral, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. C'est quand même un boycott qui a fonctionné, là, en l'état. Ouais, parce qu'après, je trouve que justement, le cas d'Hogwarts, de Ubisoft, de SNK et tout. Ça peut encore aller pousser plus loin le sujet en disant est-ce que finalement un jeu doit véhiculer des idées morales ou pas. Enfin, tu vois, on peut quand même aller beaucoup plus loin là où l'aspect purement économique, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'on peut faire même tu vois, par rapport à tout ça, Donjons et Dragons et tout. Je veux dire, ça reste un aspect purement économique, tu vois. A priori, il n'y a pas d'idées morales derrière ou politiques, quoi, normalement. Et puis, petite nuance sur le sujet que tu as présenté, c'est que ça touchait directement au jeu, en fait, enfin, à ce que la communauté pouvait ou ne pouvait pas faire. Donc, en fait, tu touches au produit. Et donc là, c'est pas éventuellement ce qu'on va faire derrière par effet de voie de conséquence, etc. C'est, mec, j'achète un truc, je te paye pour quelque chose et ce truc-là, tu me le changes. Là, effectivement, généralement, les gens se bougent bien. Il n'y a pas trop de problème là-dessus. On l'a déjà vu, même, tu vois, quand Xbox a voulu augmenter les prix du Live Gold ou je sais plus quoi, et ils ont dit, alors, mais c'est un scandale. Ils sont revenus en arrière. Parce que là, tout de suite, tu touches à l'objet directement, au matériel. Sur un aspect moral, là. Et il y a au Pass Online de EA, je ne sais pas si vous en souvenez de ce truc-là, il y a 10 ans ou 12 ans, je ne sais plus. Ils avaient mis en place un système de passe en ligne pour les jeux d'occasion notamment, qui serait donc potentiellement utilisé, qui permettait de jouer en ligne ou pas, et on devait repayer 10 euros pour y jouer. Ça n'a pas tenu justement, parce que là, comme tu le dis Fab, ça a touché directement finalement aux produits, aux habitudes de consommation des joueurs. Donc là tout de suite, dès qu'on tape le portefeuille, les habitudes de consommation, là, c'est sûr que ça réagit un petit peu plus vite, quoi, forcément, parce qu'en fait, ça crée une sorte de cause Covid aussi entre les joueurs. Et tu vois, les thèmes moraux sont forcément un petit peu plus partagés parce que dans le monde, il y en a qui ne pensent pas forcément tout à fait comme nous ou comme d'autres. Donc voilà, donc c'est sûr que c'est intéressant. Il y avait aussi le cas, on n'en a pas parlé, Diego, peut-être que toi, du coup, ça te parle un peu. Tu sais, le cas de Kingdom Come Deliverance, avec il y avait plein d'histoires qui étaient sorties, voilà, sur des histoires de racisme parce qu'il n'avait pas du coup mis de personnages black, je crois que c'était ça, ou métis d'ailleurs. Des morts, tout simplement. Et que du coup, le créateur du jeu s'était défendu en disant non, mais que de toute manière, historiquement, il n'y avait pas de personnes de couleur qui s'étaient fait reprendre de voler par certains historiens en disant non, mais si, en fait, il y avait des personnes de couleur et en fait, tu utilises juste un faux prétexte historique pour cacher une idéologie qui t'est propre. Là, c'était carrément en fait Daniel Vavra. Après, on a découvert qu'il est extrêmement limite dans sa pensée politique. Voilà. Ouais, donc quelque part, il n'y a pas de fumée sans feu. Quoi. Ouais. Mais là aussi, tu vois, ça avait fait quand même un effet un peu boule de neige. Donc là, il n'y avait pas eu vraiment de boycott parce que je crois que c'est arrivé après la sortie du jeu, la polémique. Tout à fait. Enfin, donc il n'y a pas eu d'effet de boycott, mais ça, voilà, ça fait partie des trucs là où on touche forcément des histoires de morale ou des choses comme ça, ou ouais, des idées qui sont beaucoup plus générales. Là, on n'était pas sur un produit culturellement aussi important que Harry Potter. Hein. Ben c'est pour ça aussi que du coup, même dans cette vidéo-là, on prend le vaisseau d'Harry Potter pour en parler. C'est qu'en fait, Harry Potter est un objet pop culture tellement énorme, une franchise tellement énorme, que forcément, ça prend une
proportion qui est beaucoup plus grosse que d'autres jeux. C'est et d'ailleurs que c'est aussi intéressant. En parler aussi, hein, et que probablement d'ailleurs que dans 5 ans, 6 ans, tu vois, si jamais on reparle du jeu pour raison X ou Y, forcément, je pense qu'on repensera justement aussi à toute cette phase de boycott et tout ça. Donc c'est intéressant de la manière dont ça marque aussi un petit peu son empreinte, déjà l'année 2022 ou 2023, du coup maintenant. Enfin, c'est aussi pour ça que je voulais en parler avec vous ce soir. Donc je sais pas si après vous avez peut-être d'autres choses à dire sur tout ça ou d'autres exemples de jeux ou de choses. Je peux peut-être vous parler de un ou deux exemples en plus. Alors, est-ce que vous vous souvenez en 2018 de ce qui s'est passé durant la bêta de Battlefront 2? Vous en souvenez de ça ou pas? Notamment le système de lootbox qui était infernal. Voilà. Tout à fait. Donc ça c'est alors ça s'est passé il y a 4 ans quoi. Mais c'est un boycott de la part des joueurs qui était unanime et total. Donc je me souviens à l'époque sur le Reddit du jeu, c'était littéralement en feu tout le temps, c'est-à-dire que ça n'arrêtait pas de gueuler. Et en fait, là où le truc a vraiment pris et est sorti un petit peu de Reddit, des forums, etc., c'est vraiment quand justement la presse s'en est emparée. Il y a eu apparemment, alors ça je sais pas si c'est vraiment vrai, si c'est des rumeurs, machin, comme quoi il y avait Bob Iger, non c'est ça, le patron de Disney de l'époque, qui avait pris son téléphone pour appeler le patron de EA pour lui dire qu'est-ce que c'est que ce bordel avec les lootbox de Star Wars Battlefront 2, etc. Je sais pas si c'est vrai, si c'est de la rumeur, si c'est de la légende urbaine, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, on a eu tout ce bordel autour de Star Wars et bah, en fait, ça a payé, entre guillemets, puisque bah, les lootbox ont été... désactivés entre guillemets derrière. Je sais plus si c'est revenu par la suite, mais voilà quoi. Et j'avais un autre exemple. Alors, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est remise en contexte. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui sont cool, bah, notamment quand là on dit au niveau de J.K. Rowling tout ça. C'est pas mal aussi. C'est pas mal de se dire bah, que dans certains cas, il faut remettre dans le contexte tout ça. Et moi, il y a un sujet que j'aimerais bien aborder très très rapidement, d'accord. C'est le cas notamment The Sinking City. Alors The Sinking City, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui s'appelle Lovecraft. Et Lovecraft, qui c'est? Eh bien, c'est un écrivain américain, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a vécu, qui est né fin des années 1800 ou un délire comme ça. Exactement. Il est mort dans les années 20 de mémoire, 1920 par là. Et donc du coup, lui, il a vécu à son époque avec toutes les stigmatisations de son époque, toutes les choses de son époque, on va dire. Hein. Donc c'était une personne d'époque. Et du coup, bah en fait, ça se ressent dans ses écrits. Alors apparemment, Lovecraft était une personne assez antisémite, assez raciste. Ouais. Dans la globalité, on va dire. Ce qui fait que ça se ressentait apparemment dans ses écrits. Alors moi, j'ai jamais lu. Mais en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que donc Lovecraft est mort depuis le temps, mais en fait, ça n'a pas empêché finalement son œuvre d'inspirer. Lovecraft, c'est de la pop culture aujourd'hui maintenant. Tout à fait. C'est Cthulhu et compagnie. Voilà, Cthulhu, effectivement. Oui, c'est vrai que je dis Lovecraft depuis tout à l'heure, mais effectivement, c'est Cthulhu, les tentacules, tout ça, la psychose, tous ces trucs-là. C'est aujourd'hui, ça inspire des films, des jeux de société, des jeux vidéo, etc., etc. Et il y a un truc que j'ai trouvé très très bien dans The Sinking City, du coup, du studio Frogwares, qui quand tu démarres le jeu, du coup, donc c'est exactement ce qui est à l'écran. Donc en gros, inspiré du travail de Lovecraft, The Sinking City dépeint des minorités, une société qui blâme les minorités, etc., etc. Et ce qu'ils mettent, en gros, eh bien, c'est que c'est tout, en gros, malgré le fait que ça soit assez vieux, assez ancien comme écrit, bah, aujourd'hui, c'est toujours pas correct, quoi. Et en fait, c'est un panneau d'avertissement tout simple avant le jeu, mais je trouve que ça permet de remettre du contexte, tout simplement, et de faire un petit peu de la pédagogie. Parce que moi, par exemple, je connaissais pas du tout, enfin, je savais pas que Lovecraft, c'était une personne d'assez... enfin, voilà, qui avait ce genre de propos-là. Du coup, je me suis intéressé un petit peu au truc derrière, donc ça m'a un petit peu... formé sur le sujet, entre guillemets, quoi. Donc voilà. Mais, moi, je trouve ça bien. Alors, juste pour rebondir sur ça, je voudrais juste ajouter un point, ça va me prendre une minute. C'est que il y a effectivement plein de choses, en fait, qui, à l'époque où ça a été fait, avaient un sens et qui, au fil des générations, ont perdu ce sens-là pour être intégrés collectivement comme quelque chose dénué de son sens premier. Je vais prendre un truc qui n'est pas du tout problématique, mais par exemple les comptines.
T'as plein de comptines qu'on chante aujourd'hui à nos enfants en mode bah, « c'est gentil, c'est une berceuse », qui sont blindées de sens sur « il faut pas parler aux étrangers, il faut faire attention, et machin, etc. Il faut pas perdre ta virginité, patati, patata. » Nous, on récite ça aujourd'hui, on sait absolument pas ce qu'il y a derrière. Donc, le propos, entre guillemets, est juste rentré dans la culture globale comme, comme quelque chose dénué d'un sens derrière. Et c'est le cas... Là, parler des comptines parce qu'il n'y a pas de souci, mais c'est le cas aussi sur certaines figures d'heroic fantasy ou de romans, etc. On sait qu'il y a des représentations dans la littérature qui étaient faites à l'époque historiquement pour viser certaines catégories de population, certaines populations, etc. Et qui aujourd'hui sont quasiment, enfin, je veux dire, mis à part des historiens, des gens qui s'intéressent à ces choses-là. Bah tu sais pas trop quoi, les trolls, les trucs, les machins, les choses, ils ont des sens. Pourquoi ils ont été créés, est-ce qu'ils visaient des choses, etc. Oui, historiquement, oui, aujourd'hui, plus du tout. Tu demandes à 90%, 99%, bah non, c'est juste des monstres qu'on a créés, c'est du folklore, quoi. Et voilà, donc ça aussi, effectivement, c'est important, je pense, de parfois réussir à prendre ce recul-là et de se dire, bah il y a des choses qui sont créées, et en fait, c'est pas le fond qui nous intéresse, juste la forme. Et du coup, il n'y a pas... Ouais, vas-y, pardon. Non, je t'en prie, je vais juste dire que du coup, des fois, les gestes sont dénués d'intention, quoi. C'est ce que disait Diego tout à l'heure, hein. C'est au bout d'un moment, en fait, quand tu mets une œuvre sur la place publique, entre guillemets, avec Internet, c'est encore plus rapide, finalement, bah, en fait, les gens, le public, les fans s'approprient ton œuvre, et en fait, finalement, elle n'est plus à toi. Et c'est... alors. Il y a beau y avoir des contrats de droits d'auteur, machin, ceci, cela, bah finalement, le monde d'Harry Potter, ça a été créé à la base par J.K. Rowling, mais en fait, c'est l'univers d'à peu près tout le monde et de tous les fans aujourd'hui. Et ça, c'est hyper important de le souligner aussi, je pense. Ouais, tout à fait. Mais en fait, pour revenir à la question, est-ce qu'il faut boycotter, oui, non, moi-même, j'ai un avis assez tranché à ce sujet. Si l'œuvre en elle-même n'est pas problématique, il n'y a pas de raison dans ce genre de cas-là. Je veux dire, là, c'est une œuvre pour le jeu vidéo qui était réalisée par un ensemble de personnes. Voilà. En revanche, si c'était une œuvre réalisée par une seule personne et que la personne est problématique, oui, là, je boycotte. mais là, il y a tout un tas de personnes. En revanche, si on était face à un jeu qui a un propos problématique, là, je serais pour le boycott. Parce que là, il faut sanctionner. Oui, du coup, j'ai en tête un petit peu l'exemple, à mon avis, tu as aussi en tête. Et voilà, par exemple, mais je ne sais pas encore, mais de ce qu'on a vu, par exemple, de Six Days in Fallujah, je ne suis pas sûr que c'est un jeu auquel je puisse adhérer. Parce que l'opération qu'il décrit à Fallujah, ce n'est pas glorieux. Et en plus, c'est un jeu qui vraiment, on l'a vu, on avait traité un petit peu la question du fait que c'est carrément directement financé et voilà, et agencé par justement des buts politiques de propagande derrière. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui ne s'intéresse pas non plus. Enfin, voilà, ça il faut l'avoir bien. Donc là, c'est vrai que même si là aussi on reste sur finalement un cas de morale, un cas d'appréciation personnelle et tout ça, là, ça peut aussi avoir effectivement du sens le boycott en disant genre, bon, mais non, on refuse qu'il y ait ce genre de projet-là avec ce genre de vision-là, c'est-à-dire pas de vision historique, mais de vision propagande en fait, voilà, qui arrive sur le truc. Donc là, effectivement, c'est vrai que ça peut avoir du sens, même si une fois de plus, je ne dis pas que ça n'a pas de sens du côté de Harry Potter, mais je veux dire, voilà, c'est des choses qui sont très complexes parce que chaque cas est assez personnel, chaque cas est très particulier en fonction de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, des personnes qui sont derrière. Je veux dire, pourquoi on ne parlerait pas par exemple de Doom aussi, où on a vu récemment Doom avec le compositeur, j'ai plus le nom en tête, Mike Gordon, qui s'est écharpé un petit peu avec le mec à la tête de ID Software et tout ça, il me semble, c'est ça, ou en tout cas à la tête de la franchise, voilà. Nous, on pourrait aussi décider, tu vois, typiquement de se dire, bon ben du coup, je vais pas acheter le prochain parce que je suis pas d'accord à la manière dont ils ont traité ce type-là, tu vois. On peut aller quand même assez loin finalement dans le truc. Et comme tu le disais, Fab, un petit peu tout à l'heure, ça quelque part finalement, c'est un choix propre à chacun. Aussi, c'est assez important. Il faut juste pas empêcher non plus d'ailleurs les gens d'en parler après d'ailleurs aussi, parce que ça peut être intéressant justement d'en parler, de décortiquer, de mettre certaines choses en lumière. Et c'est en ça que je trouve que tout ça, c'est extrêmement intéressant. Et je voulais justement parler avec vous ce soir parce que ben, moi, ça m'a interrogé aussi personnellement justement sur le fait d'acheter ou pas. Et je me dis, plutôt que de fermer les yeux, de se dire le truc n'existe pas, on le met de côté,
je pense que voilà, on a fait un petit peu quelque part aussi notre travail en tant que de ce qu'on peut faire évidemment à notre échelle hein, évidemment, mais peut-être de mettre ça. D'ailleurs, n'hésitez pas peut-être aussi pour ceux qui nous regardent du coup en replay sur YouTube ou autre, d'en parler, de nous le dire peut-être que ce soit sur les réseaux, sur Twitter, dans les commentaires ou tout ça, de nous dire aussi ce que vous en pensez. Si vous voulez peut-être aussi qu'on réagisse après à d'autres trucs un petit peu dans ce même style, dans ce même format, à d'autres trends un petit peu du moment sur le jeu vidéo. Nous, en tout cas, je pense que Fab, ça fera un plaisir de revenir pour ce genre de choses. C'est le genre de truc qui nous intéresse, voilà, d'aller un petit peu au-delà de juste jouer. Donc ça en fait partie aussi. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose du coup à rajouter avant qu'on conclue ou on est bon? Moi, je dirais juste que ce que Fab a dit en début d'émission, on peut tous avoir un avis différent, mais traitez la partie adverse avec respect, s'il vous plaît. Là, j'ai vu trop de positions complètement polarisées et stigmatisées et stigmatisantes. Apprenez à parler un peu. De la pédagogie. On peut avoir des avis différents et on peut ne pas être d'accord, mais on se respecte in fine, s'il vous plaît. Je savais bien que tu étais un mec de droite au fond. Et du coup, on va peut-être terminer sur ces belles paroles. On vous donne rendez-vous très bientôt, évidemment, pour tout ce qui est Doncast. Fab, je l'ai dit tout à l'heure, un mardi sur deux avec donc tes ouais. Greg et David. Si c'est ça. Voilà, exactement. On essaie de parler d'émotions dans le jeu vidéo. On a parlé de l'adrénaline, on a parlé de la surprise et on parlera du deuil bientôt. Voilà, c'est vachement réjouissant. Tu nous donnes en avance le futur thème. Donc ouais, c'est, ça va être comme ça encore un bon mood. C'est clair. Bon mood, voilà. Nickel. Bon, bah, écoutez, pour ceux qui nous écoutent, merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Et voilà. Et puis moi, je vous dis ciao, ciao. Et voilà, c'est les choses de la vie, tout ça. Ciao. Ciao. Salut, ciao. Merci beaucoup.